Добрый день, дорогие друзья. Bonjour à toutes et à tous. Рад приветствовать всех гостей РЦМК в Париже. Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue au Centre de Russie pour l'enseignement et la culture à Paris. И прежде всего я хотел бы обратиться к нашей франкофонной, к франкоязычной публике для того, чтобы предупредить о том, что у нас сегодня предусмотрен синхронный перевод. Comme d'habitude, en premier temps, je m'adresse à notre public francophone pour signaler que la fonction d'interprétation simultanée est prévue et fonctionnelle pendant notre conférence. Pour en bénéficier, vous trouverez deux boutons en bas et à droite de l'écran, derrière le petit globe qui vous permet de faire la sélection entre les canaux russes et français. Vous pouvez choisir celui qui vous convient et nous suivre avec confort sans le changer jusqu'à la fin de la réunion. Je crois que tout est clair. Chers amis, nous continuons aujourd'hui notre cycle en ligne des rencontres avec les représentants les plus intéressants et les plus célèbres de l'art et de la culture russe. Aujourd'hui, notre invité est Kirill Prevalov, que nous l'avons entendu depuis longtemps. Journaliste international, écrivain, musicien, et le plus important, un vrai connaisseur de la France et bien évidemment de la Russie. Sa liste des mérites, des décorations, distinctions et titres honorifiques impressionne. Je ne souhaiterais pas faire l'énumération de toutes ces distinctions, mais quand même, je vous présenterai son petit CV. Kirill Prevalov est auteur de plus de 20 livres, édité en Russie et en France, membre du Pen Club International et de l'Union des écrivains de Moscou. Il est journaliste depuis 1977. Il a travaillé plus de 20 ans en France en tant qu'envoyé spécial, observateur politique, rédacteur des sources médiatiques russes et de revues russes. Membre de l'Union des journalistes de Russie, maître de conférences au département de journalisme international et de littérature étrangère à la faculté de journalisme auprès de l'Université d'État Lomonosov de Moscou. L'animateur des émissions à la télévision française, M6, Euronews, La 5 et d'autres. Membre de l'Association internationale des journalistes qui écrivent ou rédigent en français. Il a reçu l'Ordre des Arts et des Lettres de France et l'Ordre du Mérite, ainsi que la médaille de la Renaissance française pour ses accomplissements dans le domaine de la francophonie. Et comme d'habitude, nous attendons vos questions dans la rubrique chat. Donc, je vous prie de laisser vos commentaires. Et bien évidemment, à la fin de notre discussion, nous aurons le plaisir de donner suite à tous vos commentaires et questions de la rubrique chat. Et bien évidemment, nous sommes intéressés par la géographie de notre public. Nous vous prions d'indiquer dans quelle ville vous nous regardez, dans quel pays. Donc, Cyril, on commence par quoi? Les livres ou... Bonjour, Moscou c'est déjà bonsoir. On commence par les livres, par les connaissances, par la musique ou... Des rencontres et personnes de connaissance? Oui. On pourrait commencer par des rencontres. Tout d'abord, je suis ravie de vous saluer. J'aime beaucoup cet hôtel particulier, classé historique, situé à la rue Boissière. Il est étroitement lié à ma vie ainsi qu'à la vie de mon épouse qui a travaillé. Vous êtes toutes des personnes qui me sont très proches. Je vous en remercie. Et tout de suite, une précision s'il vous plaît. Votre épouse qui a travaillé dans nos locaux du Centre culturel russe, j'en sais rien. Elle a travaillé sous la direction de Monsieur Alexei Radov. Ah, d'accord, je vois. Donc, quels sont vos meilleurs souvenirs de ce pays? Qu'est-ce que vous aimez le plus? Qu'est-ce qui vous attire là, notamment dans cette période? Bien évidemment, l'ouverture des frontières m'attire le plus. Parce que nous sommes fatigués de rester sans bouger, parce que même là, je suis en train de parler avec vous, mais je suis en déplacement, je ne suis pas à Moscou. Je travaille à distance, je me retrouve actuellement dans la ville, même pas dans la ville, mais dans un village de Novo-Jérusalem, Nouveau-Jérusalem.
pas loin de Moscou, à 50 km de la capitale, à côté du monastère Voskresensky. Là, des expositions intéressantes ont lieu. Par exemple, tout récemment, il avait été organisé une exposition de Marc Chagall, puis de Pablo Picasso. Et la semaine dernière, nous avons visité l'exposition de Bruegel, une collection impressionnante de Bruegel. Et tout ça se passe à Moscou, à Nouveau-Jérusalem. Mais dans le même temps, il y a peu de monde. Oui, mais quand même, c'est une limite plutôt conditionnelle, si vous voulez, parce que nous avons tout oublié déjà. Nous avons oublié de musées, de la cuisine de gastronomie française, des châteaux. Donc, pour nous, c'est une jalousie à nos semblables. Et je sais qu'à côté de Jérusalem, on a des établissements gastronomiques ou et culturels extraordinaires. Ah oui, c'est vrai, lorsque moi, j'ai été l'animateur de l'émission à la radio, Radio Gourmand. Et moi, parmi mes invités, pour cette émission, c'était des chefs des restaurateurs aussi. Et Oleg Sirota, bah vous le connaissez bien évidemment, il vient de commencer son projet. Je ne vais pas dire que c'était un projet d'affaires. Il n'avait pas beaucoup d'argent à cette époque-là. Tu vois, il m'a raconté, moi, je voulais... tu vois, donner mon rein pour avoir plus d'argent. Mais heureusement, ce n'était pas le cas. Le maire de la ville, Istra, lui a aidé à l'époque, sans ses victimes. Et le projet, donc ce projet, il a eu... c'était une réussite. Et ce projet s'appelle le chapelet de gouverneur. Et tu pourrais nous raconter un peu plus sur tes livres qui sont publiés en France et aussi de ta participation dans les journées de livres, de salon des livres russes avec mon ami, notre ami Dimitri Tkochko. Bah oui, tout d'abord, mes félicitations à M. Tkochko. Lui, il a traduit tout récemment le livre de son arrière-grand-père. Le détective bien connu, qui était son arrière-grand-père, Arkady Tkochko. Et oui, en effet, au mois de février 2020, c'était une vraie fête, le Salon de livres russes. Maintenant, ce n'est qu'une édition virtuelle. Et le livre que j'ai présenté dans le cadre de ce salon, c'est un livre intitulé « Poison », maison d'édition Masha Publishing. Là, vous voyez, c'est à gauche, la toute dernière à gauche, « Poison ». Pour moi, tout d'abord, c'est un hommage à mon père, qui, en effet, a eu un sort tragique. Il était mort empoisonné. Et... j'aurais dû l'écrire et heureusement, je l'ai fait, j'ai réussi. Et c'est un recueil de quelques histoires à partir de l'Antiquité, à partir de l'ancienne Crimée et jusqu'au début du XXe siècle. Puis l'édition s'est arrêtée, donc la chronologie s'est arrêtée là. Donc, malheureusement, l'éditeur il n'a pas donné suite. C'est déjà mon deuxième livre, édité par la maison d'édition Masha. Le premier livre était une traduction de mon livre que j'ai écrit il y a longtemps, lorsque je venais de revenir en Russie, de France, en 2004, et le livre intitulé L'extrême russe. Parce que, vous voyez, moi, je n'avais pas, même à l'époque, de documents russes. Je n'avais que des documents soviétiques. J'ai été en mission et je n'ai pas eu la lettre de démission. Je suis restée en France pour travailler. Mais heureusement, quand même, j'ai eu l'autorisation de revenir
en Russie, mais oui, pour moi, c'était une très bonne décision parce que la maison, la Russie, ma patrie, elle m'aide. En plus, les gens sont les moscovites qui sont à côté de nous. Ce n'était pas facile de revenir après cette mission en France. Les Français, bienvenue chez les Russes. Donc, c'est un récit de mes aventures lorsque nous sommes rentrés en Russie. Et vous voyez, voici, c'est mon premier livre en français qui s'appelle « Un soviet au pays de Tonton », édité en 1991. L'histoire de ce livre est bien curieuse. Vous voyez la lettre V dans le mot « soviet ». On le voit, elle est composée, dans quelque sorte, de deux drapeaux, le drapeau russe et le drapeau français. C'est le premier livre en France où on voit le drapeau russe sur la couverture d'un livre. J'ai signé un contrat pour ce livre. C'était la maison d'édition Robert Laffont. C'est un grand éditeur français. Et le contrat a été rédigé au mois de février 1991. Et le jour où j'ai rendu le texte, vous voyez, c'est le 19 août 1991. À l'époque, il n'y avait que très peu de gens qui connaissaient les ordinateurs. Donc, pour cette raison, moi, je lui ai donné mon manuscrit en deux exemplaires. Et lui, en ce moment-là où je lui ai rendu son manuscrit, il a regardé la télévision soviétique, russe déjà, on a vu des chars. Et il me disait, tu vois, tu peux prendre la compte. Tu n'es pas obligé quand même de me rembourser. Mais toi, tu ne pourrais pas revenir après dans ce pays. Non, il faut l'éditer. Maintenant, je vois le pouvoir qui est dans ce pays-là. Mais vous voyez, moi, j'ai été persuadée que ça ne durerait plus qu'une semaine. Et on a vu cette conférence de presse. Robert Laffont, quand même, il disait, après, vous vous souviendrez de ce que je vous disais. Malgré tout ça, le livre a été bien publié. Et moi, je partage un grand amour envers, tout d'abord envers M. Laffont et cette décision d'éditer la maison d'édition. Et j'ai fait encore deux livres, déjà en russe, et l'un des livres portera sur la France. Le titre, c'est « Privalov sans frontières, métaphore et métamorphose ». La nature, moi, c'est le livre où je raconte comment je suis arrivée en France, mon destin, ce que je faisais en France, toutes mes activités, presque jusqu'à la chute de l'URSS, jusqu'à peu près 1992. Voici ma réponse à ta question. Oui, une histoire bien intéressante. Moi, j'ai quelques couvertures de tes autres livres. Je souhaiterais partager l'écran avec du public et on attend tes commentaires. Oui, c'est vrai, j'ai eu le plaisir de communiquer avec Dmitri Koshko. Je crois que au mois de mars, on aura la même rencontre en ligne avec Monsieur de Koshko, et nous espérons bien quand même entendre sa conférence, notamment sur son nouveau livre, Le détective d'Edsar. Oui, il fait beaucoup de choses, et en plus sur toutes ses activités dans le cadre de son association France Oral.
Nous espérons quand même organiser cette conférence, pas uniquement en ligne, mais en présentiel. Bah, quand même, au mois d'octobre, nous espérons donner une vraie vie au salon au mois d'octobre 2021. Ouais. On connaît très bien l'un de tes livres, apparemment, qui est sur les courants philosophiques et une religion, moi, est-ce que vous voyez la maison de Dieu, le livre, deuxième livre à gauche? Oui, ce livre est plutôt particulier. Lorsque l'on se rapproche à la deuxième étape de notre vie, deuxième moitié, si vous voulez, on commence à réfléchir beaucoup à Dieu. Pas à la religion, pas du tout, pas à l'Église comme l'institut ou la structure, mais à la cathédrale, à la maison de Dieu et toujours à l'intérieur de nous. Le temple d'une personne, la cathédrale, c'est la personne elle-même. Pour cette raison, je me suis rendu compte de donner vie à ce livre-là. Mais j'essaie toujours de trouver des tournants dans la foi ou la religion, afin de pouvoir en faire l'histoire, une vraie histoire. Pour cette raison, ce livre, La Maison de Dieu et les hommes et les temples. Ah oui, je vois un petit commentaire de Monsieur Koshko, ça me fait plaisir, merci beaucoup. C'est la biographie d'un homme dès sa naissance. On commence par même les mégalithes celtiques jusqu'aux cathédrales actuelles, des temples, cathédrale orthodoxe, cathédrale catholique, des mormons, tabernacle. Moi, j'ai pris un chiffre 7. Je ne veux pas vous donner plus de précision sur ce chiffre-là, qui est bien évidemment symbolique. Et pour cette raison, j'ai fait 7 chapitres dans mon livre. C'est l'histoire de l'enfance, de la jeunesse. Et chaque étape, c'est l'histoire de la cathédrale, l'histoire d'un temple dans un certain laps de temps. C'est bien évidemment le temple du tsar Salomon, Skini, qui a donné naissance à ce temple. Puis, on passe à la France, le style français, gothique, et je donne l'explication à Rey, l'étymologie de gothique. Gothique ne provient pas du tout de la langue allemande, des Goths. Non, gothique, en fait, c'est la langue des personnes bien instructives. Parce que sans Carrosco, sans Soderia, on ne pourrait jamais avoir ce style-là. Puis, bien sûr, l'orthodoxie, on commence par le russe de Kiev, puis la Renaissance, bien évidemment, pour tous, et l'époque contemporaine. Vous voyez, l'exemplaire de mon livre était de 3000 exemplaires. Moi, j'ai déjà vendu 1500 livres. Et pour un livre contemporain en Russie, c'est beaucoup, je vous assure. Puis un autre livre, Les maçons russes du XXe siècle, où je parle tout d'abord des personnalités qui ont vécu en France. Moi, je suis plutôt je suis une personne heureuse. Moi, vous voyez, j'ai deux mères, si vous voulez, deux mères patries, la Russie et la France. En Russie, je me sens heureux, et en France aussi, grâce à cette communication avec les Français. Vous voyez,
En haut, on voit Pushkin, Griboïedov, Novikov, Ushakov, Kutuzov et Suvorov. Et là en bas, vous voyez des personnalités qui ont servi à l'ordre plutôt ailleurs, en France. Ce sont Aldanov, Yablochkov, Maklakov et beaucoup d'autres. Et je répète encore une fois que je suis une personne heureuse parce que certaines personnes de cette pléiade, je connaissais personnellement, j'ai eu le plaisir de communiquer avec eux, de les voir, y compris dans les épreuves. Je me souviens très bien de leur réaction pendant les démarches du comité d'État sur les états d'urgence. Pour eux, c'était une épreuve. Cet événement était comme un test pour définir l'honnêteté des gens. Et ils attendaient, ils étaient sûrs que le pays allait vaincre, allait survivre, et ils étaient contents. Et après, c'est arrivé. Donc, voilà, en résumé, on peut dire ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'essaie de travailler beaucoup, j'écris, je collabore à Littérature Naya Gazeta, je travaille pour eux, et un de mes livres, 55 confessions des stars, 55 interviews que j'ai fait avec des stars, et j'ai réuni ces interviews. Dans ce livre, j'ai interviewé différentes sommités et personnalités avec qui j'avais communiqué en Europe lors de mes missions en Europe. Et comme vous pouvez le voir ici, donc Isabelle Huppert, Charles Aznavour, etc., etc. C'est impressionnant, oui. Mais le plus horrible, c'est que beaucoup de ces personnes ne sont plus avec nous, sont partis. Je ne dis pas que la personne meurt. La personne, elle reste dans une autre dimension, dans une autre vie. Et parfois, je suis obligée de publier des choses. Et cette année, j'ai publié une interview. Mon interview avec Pierre Cardin, que je connaissais, et avec Robert Massaigne, et c'est horrible, c'est douloureux, c'est toujours inattendu. Aujourd'hui, on a perdu Merkov, aujourd'hui, c'est horrible. Moi, je ne l'ai pas rencontré, nous avons grandi avec ses films. Oui, Merkov est parti, il y a une époque qui part, on peut dire ça. Il y a des choses, des époques qui disparaissent comme ça. Vous vous souvenez, dans un des films de Manstein, il y a un disque qui est joué, et c'est un vieux disque. Et ce disque sursaute, il y a une aspérité, et en même temps, un des couples dansant disparaît. Et donc, on voit qu'il y a une époque qui disparaît. On voit ça, vous comprenez? Et cette sensation, avec l'âge, ça devient une sensation tactile, parce que quand on est jeune, on n'en est pas tout à fait conscient. Quand je parle avec mes étudiants, ils ne le ressentent pas comme ça. Mais pour nous, chaque disparition comme ça, vous savez, pour moi, Makov, vous savez, c'est tout d'abord les frères Karamazov. Parce que je me souviens, ils jouaient à Alosha. Pour moi, ça a été une révélation. Le film est sorti dans les années 60 et c'était tellement poignant. Ce rôle était poignant. C'est vraiment horrible. La Novoï est partie aussi. C'est horrible. Et là, vous voyez cette séquence où il joue Alyosha. Vous voyez là,
la boucle. Oui, c'est malheureux. C'est malheureux. Le temps est cruel. Cet été, nous avons fait la connaissance de Cardin. Nous avons assisté à son festival à Lacoste et on a parlé avec lui. Il était prêt à venir célébrer notre 25e anniversaire au centre, mais malheureusement, on n'a pas pu célébrer ça de manière avec envergure. Et il a promis de vivre jusqu'à 160 ans, mais il n'a pas pu tenir parole. Je me souviens d'Aznavour, il n'y a pas longtemps, on l'a décoré à l'UNESCO. Il y avait un ordre spécial pour les hommes de culture âgés de plus de 75 ans. Et je vois André Chevelov, peut-être que s'il est de l'UNESCO, il se souvient de cet entretien, cette rencontre, lorsque Aznavour était avec nous en tant que représentant permanent de l'Arménie auprès de l'UNESCO. Et c'était comme hier. Outros Ghali était à cette rencontre, on l'a décoré aussi. Vous savez, notre cycle de conférences et tes livres, c'est une sorte d'archive et cela sert, cela nous sert, cela nous aide à parler de ces personnes et ça leur donne la possibilité de parler d'eux-mêmes. Vous savez, j'ai rencontré Charles plusieurs fois et il y a une histoire que personne ne connaît. Elle est la suivante. J'ai assisté à une des émissions de télé ici et cette émission s'est déroulée sur la chaîne 1 et c'était consacré à Dalida. Et donc, j'ai dû partir et... Micha Aznavour, le fils de Charles, est parti avec moi. Et à l'époque, il était à Moscou. Il vivait à Moscou. Et donc, on se connaissait. Et ensuite, je l'appelle parce que il y a une lettre que j'ai reçue, très bizarre. Une femme m'a envoyé une photo, une Arménienne de Moscou. Et elle a dit que son père avait survécu lors de la guerre grâce à Micha Aznavour, grâce au père, en fait, de Charles, parce qu'il était danseur dans des cabarets russes et il habitait près du boulevard Saint-Michel et il se produisait dans des cabarets comme Gaudeamus de... Et ensuite, donc lors de la guerre, il avait une grande maison russo-arménienne. Il y avait des gens qui venaient, d'autres disparaissaient. Et il a caché chez lui un militaire soviétique qui avait fui les Allemands, les travaux forcés. Et il y a ces photos où on voit Charles jeune, avant son opération chirurgicale, opération de chirurgie plastique. Et il avait un gros nez, vous savez. Et on pouvait difficilement le reconnaître. Et donc, son père, qui s'appelait Micha, Micha, quand tu viens à Paris, il dit, je dois aller voir le père à Paris. Et je ne sais pas si Micha lui a transmis à son père cette photo et cette lettre. Et quand on s'est rencontré avec Aznavour, je lui ai dit, vous savez, en Arménie, on a bâti... Alors, voyez cette photo avec Edith Piaf. Regardez ce nez d'Aznavour, son nez. Regardez, c'est tout à fait différent. Donc, en Amérique, il a fait son opération de chirurgie plastique. Et j'ai raconté cette histoire, j'ai même fait une émission là-dessus avec Volodya Molchanov, on a fait une émission télévisée là-dessus. Et en fait, je lui dis, vous savez qu'en Arménie, on a fait à Goumeri, construit votre monument. Et il y a eu l'inauguration de ce monument. Mais il a dit c'est bien le monument, mais ce qui est désagréable, c'est que
Il y a des pigeons sur ma tête. Et il avait le sens de l'humour arménien. Et donc, pendant 14 ans, j'ai fait mon émission à la Radio Russie, la Radio Culture, consacrée à la chanson française. Et suite à cette émission, j'ai fait éditer cette encyclopédie. C'est un grand pavé, hein, vous savez, qui s'intitule « Encyclopédie subjective chanson française », qui est composée de trois parties. La première partie, ça parle de l'histoire de la chanson française à partir des calendes grecques et jusqu'au XXe siècle. Et la deuxième partie est consacrée donc à l'encyclopédie. C'est l'encyclopédie. Il y a environ 255 noms d'auteurs, d'interprètes, de chansonniers. Et la troisième partie, là, je parle des chansons françaises qui ne sont pas perçues dans le monde entier comme des chansons françaises. En fait, dans mon émission, il y a une partie, une chanteuse, Nina Chatskaya, qui a participé à mon émission, une chanteuse de jazz, une très belle chanteuse. Elle a participé à l'émission Voix. Je ne regarde pas cette émission. Je ne vais pas parler de cela. Mais Nina Chatskaya est une belle chanteuse. Elle aime Ella Fitzgerald et d'autres. Elle aime les chansons américaines, anglaises. Et donc, je lui ai fait écouter comme d'habitude. Et elle m'a dit, mais c'est My Way. Et je lui ai raconté l'histoire de cette chanson. Poulenka a acheté les droits d'auteur aux auteurs français. Et parmi ces auteurs, il y avait Claude François. Et cette chanson, en fait, c'était une chanson française au départ. Et le premier interprète, c'était un des auteurs, Claude François. Et le meilleur interprète, à mon avis, c'est bien sûr Michel Sardou, qui chante ça sans l'orchestre. Et elle était étonnée. Elle a dit, ce n'est pas possible. Et il y a plein de chansons françaises comme ça qui sont devenues mondiales, en fait, des tubes mondiaux. Et donc, je parle aussi de cela, de ces tubes. J'étais étonnée parce que quand j'ai écouté ton premier disque, je pense qu'après 12 ans de séjour en France, je connais beaucoup de choses. Mais il y a, mais ton travail, c'est vraiment nouveau, un regard nouveau, c'est tellement détaillé. Et je voudrais, si tu le permets, je voudrais te poser une question. Et parmi ceux que tu as interviewés, qui t'a fait la meilleure impression? Qui est-ce qui t'a impressionné le plus? Je voudrais aussi montrer ce livre, 55 confessions. Peut-être nos téléspectateurs verront des noms. Il y aura peut-être des questions concrètes. Mais qui est-ce qui t'a impressionné le plus par rapport à notre pays aussi, peut-être? Et qu'est-ce que tu pourrais recommander? Est-ce que tu pourrais recommander quelqu'un pour qu'on puisse faire une rencontre comme ça aussi, en ligne ou en présentiel? Qui pourrais-tu recommander pour interviewer? Alors, j'adorais Mireille Mathieu. Elle n'a pas besoin d'être présentée. Hein. Tout le monde la connaît. Je l'aimais beaucoup. Et on était vraiment des amis. C'était amusant. Pourquoi? Parce que Mireille, c'était une personne très honnête, très sincère. Et elle m'a appelé une fois et elle m'a dit, je voudrais t'inviter à la célébration de l'année russe. Et j'ai dit, bon, bah, d'accord, bien sûr, on y va. Et où c'est? Elle a dit, c'est à chez Carlier. Et je connaissais Carlier comme un grand restaurateur français. Et vous savez, si on prend la rue des Martyrs, si on va à Montmartre, donc c'est par là. À gauche, il y avait un restaurant. Maintenant, il n'y en a plus. Il n'est plus là.
Et il y avait un restaurant à l'époque chez Carlier. Et donc, je suis venue en voiture. Mais je ne pensais pas qu'on allait boire autant. Et on a vraiment beaucoup bu quand on est arrivé là-bas. Donc, il y avait Mireille était avec ses sœurs et avec son visagiste, Olivier. Et il y avait des garçons habillés en cosaques. Et donc, c'était extraordinaire. Bien sûr, tout s'est passé à la russe, c'était très bon. Et donc, à l'époque, c'était l'année 2001. Et elle dit, et maintenant, on va voir un ensemble de tziganes. Et il y a mon ami Serge Kams qui arrive avec une chanteuse arménienne. Et en fait, il n'y avait pas de tzigane. Et Mireille, elle était extraordinaire. Elle a chanté avec eux. Elle a chanté des chansons russes. Et elle est étonnante. Elle ne refuse à personne. Elle ne refuse pas d'autographe, d'interviews, de réponses. Elle est généreuse. Et la dernière fois que je l'ai vue, elle est venue quand on célébrait 85 ans de mon grand ami André Dimentiev, un grand poète. Il est parti malheureusement et André a invité toute la famille avec la mère, les sœurs. Ils sont venus à Moscou et donc, on a encore bu de la vodka, on a mangé des harengs avec du pain noir. C'est extraordinaire. Alors, on ne s'est pas fait la bise avec Mireille, mais il y a eu beaucoup d'autres choses. Alors, on a parlé d'Aznavour et des cabarets russes, des restaurants. Et il n'y a pas longtemps, j'ai appris qu'à deux pas de notre centre, et il y avait un restaurant qui s'appelait Deux Guitares. Et je voulais te demander, il y a Aznavour, Vysotsky, Chemiakin qui sont venus là. Le public était très digne. Oui, si on parle de Vysotsky et Chemiakin, Mikhaïl et Vladimir Semyonovitch avaient l'habitude de se promener. D'aller chez Rasputin et chez Petrushka. Alors, ça appartenait à Jean Totland et ça a existé pendant 2 ans et je suis passée par là et actuellement, c'est un salon de massage érotique sans enseigne. Alors, on se pose cette question. Peut-être... on peut populariser certains endroits liés à la Russie. Et il y a un certain nombre de plaques commémoratives en France, à Paris, liées à notre culture, à nos personnalités d'art, de culture. Et une des idées, c'est par exemple, on peut mettre une plaque commémorative pour Tchaïkovski, là où il descendait. Par exemple, Édouard Limonov. Son dernière intervention en France s'est passée dans notre centre, mais sa vie est beaucoup liée à Paris, à la France, et il préférait parler en français chez nous, par exemple, et il y a des collègues à moi, des amis qui se posent cette question, où est-ce qu'on pourrait mettre une plaque commémorative pour le commémorer? Peut-être que tu as des idées sur cela, qu'est-ce qu'on pourrait commémorer ici? Il n'y a pas longtemps, dans mon livre « Nature disparaissant », me souvenais d'une écrivaine azerbaïdjanaise qui a vécu à Paris, rue Lauriston. Et dans cette maison, là où elle habitait, dans son petit appartement, Ivan Bounine venait souvent la voir dans son appartement. En fait, cette femme était le dernier amour de Bounine. Et elle raconte dans ses mémoires comment Bounine l'avait invitée lorsqu'il se produisait Salle Pleyel
Et je pense qu'il faut contacter l'ambassade d'Azerbaïdjan. Je ne sais pas qui est l'ambassadeur. Donc, je ne sais pas. Je suis ami avec le représentant permanent d'Azerbaïdjan auprès de l'UNESCO. C'est l'émigration russe, vous savez. À l'époque, il n'y avait pas d'Azerbaïdjan. Des Azerbaïdjanais. On les appelait les Tatars de Caucase. Anim, c'est un titre, et c'est comme ça, Janim ou Anim, ainsi Bounine lui a adressé. Et à Janim ou Anim, on le traduit, moi en tant que turcologue, je peux vous traduire, mon âme. Ma famille est une famille multinationale. On s'intéresse beaucoup à la langue turque, à la culture tchétchène, aux racines kazakhs, si vous voulez. Et c'est une figure impressionnante. Et à côté de vous, à côté de la rue Boissière, il y a la rue Lauriston, une vraie personnalité aussi. Notre centre, en fait, elle est chargée de sauvegarde du patrimoine culturel et tout d'abord le patrimoine de sépultures russes, en particulier Sainte-Geneviève-de-Bois. Est-ce que tu connais bien, est-ce que tu connais quelque chose sur ce cimetière? Ah oui, 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 bien évidemment, c'est un sujet que je connais très bien. Et notamment, j'ai écrit sur les visites de ce cimetière de Victor Astafiev, une figure bien tragique de la culture russe. Et j'ai un essai là-dessus dans le livre La nature qui s'envole, qui s'en va. Et oui, on a visité souvent les sépultures de Bounine, puis la princesse Obolensky, Vicky. Victor le décrit de manière assez rigide, mais en même temps de manière très sentimentale et romantique, parce que c'était sa dame. C'était sa dame d'amour, si vous voulez. Ah oui, en effet, il y a quelques mois, je me suis rendue avec Victor Irofeev sur le cimetière. Et puis, tu vois, on a fait l'année dernière un cénotaphe sur le même lieu de sépulture où sont les cendres. Le cénotaphe de Vicky Obolensky, c'est le cénotaphe à Marie Skoptsova, Mère Marie, grâce à l'initiative de Nikita et Ksenia Krivosheyn. Et puis, quand même, nous avons un projet que nous espérons réaliser prochainement, c'est de faire une carte interactive, une sorte de Wikipédia interactif de Sainte-Geneviève de cimetière Sainte-Geneviève-de-Bois, afin que les gens puissent y accéder, afin que ce soit cliquable avec de belles images. Et bien évidemment, la même carte interactive des endroits russes à Paris. Par exemple, pas loin de la place Victor Hugo, on connaît bien l'endroit où a vécu et où a trouvé sa mort tragique Galitch. Même dans notre quartier, même dans le 16e arrondissement, il y en a plein de choses comme ça. Et dès que nous passons à ce projet-là, j'espère quand même avoir le soutien, un coup de main de ta part, de ta connaissance. Oui, si on parle des lieux russes à Paris, où je rappelle un restaurant russe habitué, où les habitués étaient la aristocratie russe, le resto qui s'appelle Gaudeamus. L'élève de Chalapine est Victoria Kuznetsova.
Moi, j'ai écrit des articles et des essais là-dessus. On me dit souvent, tu n'as qu'une seule chanson sur Paris, mais non, ce n'est pas le cas. Mais oui, dans quelque sorte, c'est vrai, j'ai beaucoup de chansons, mais je les écris plutôt sur la Russie ou sur l'espace. Ah oui, Marouani, c'est un très bon ami de nous. Je crois que vous connaissez Didier Marouani, c'est ça? Oui, nous sommes des amis. J'ai été l'animateur de l'émission sur lui qui durait 1 heure et demie. Il y a une compagnie disque française qui a fait toute la collection de ces disques, de ces chansons. Moi, je l'ai chez moi. Un jour, je rentre de Paris à Moscou et je vais à l'aéroport Didier Marouani. On a commencé à parler et je lui dis, tu vois, demain, je suis invitée à l'ambassade de Kazakhstan parce que c'est une fête de la République, une fête d'État. Et je sais que toi, tu es aussi adoré là-bas en tant qu'en Russie. Moi, je n'ai jamais divisé la Russie ou le Kazakhstan. Notre langue est la même langue partout et je l'invite. Et je t'invite. Est-ce que tu veux aller avec moi? Oui, bien sûr. Là-bas, tu serais l'invité principal. Elle était très contente après cette réception à l'ambassade de Kazakhstan. Oui, tout le monde a pris des photos. Elles ont fait des photos avec lui. Beaucoup de dédicaces. Et là, une idée exceptionnelle est née de prendre part à une exposition. À Astana, on a fait toutes les démarches nécessaires. Malheureusement, sur place, au Kazakhstan, on n'a pas réussi à le faire, malgré le programme qu'il a déjà préparé. Mais ce temps-là, quand même, il s'est rendu à Moscou sur cette affaire judiciaire bien connue. Mais grâce à ceci, j'ai réussi quand même à l'élever dans quelque sorte son humeur. J'étais il y a quelques jours dans son studio. Tu as été dans le 16e, dans son atelier? Ah oui, c'est chez lui. C'est chez lui, dans le 16e, rue de Ville. Pas loin de l'Assomption, rue d'Assomption. Tout d'abord, ce qui m'a beaucoup surpris, que tous les appareils musicaux et les choses très rares et uniques, même antiques russes, il a des chevrons des cosmonautes chez lui. Il était fier de me montrer un disque qui était donc, à la station Mir. J'ai eu la chance de visiter son lieu de travail et son lieu d'inspiration et nous espérons l'inviter au mois d'avril avec les cosmonautes russes et les cosmonautes français dans nos locaux virtuels et en présentiel. À vous de jouer, une très bonne idée, parfait, mais je devrais dire que il n'était pas la première personne dont le disque a été entre guillemets lancé dans l'espace. Les premiers étaient le fameux Deep Purple. Oui, c'était en 1989 où le président Mitterrand et Shevardnadze sont arrivés à Baïkonour pour être présents à la cérémonie du lancement, y compris de cet enregistrement musical, un disque, mais sans pochette, sans couverture, parce que chaque gramme dans l'espace, c'est de l'or en barre. Mais puis, quelques temps après, il y avait un incendie, cette station spatiale, et le disque a brûlé. Voilà, c'est une histoire comme ça. Et je te remercie aussi pour le récit, pour une découverte de Mickey Brandy. Ses capacités vocales énormes, une voix extraordinaire, oui. Mickey Brandt, chanteur le plus populaire parmi les jeunes, début des années 70.
Mais tu vois, tout le répertoire de toutes les chansons de Mickey Brandt ont été brillamment interprétées par notre chanteur bien connu, Valérie Obazinski. Lorsque j'ai entendu pour la première fois la chanson de Mickey Brandt, j'ai tout de suite reconnu Obazinski. On voit des croisements, bien évidemment. Pour moi, Moscou reste la ville principale. Moi, je suis une personne qui est née rue Groerman, bien sûr. Je suis l'enfant de l'Arbat, si vous voulez. Et j'ai beaucoup écrit également des chansons sur Arbat. Et moi, je dévoile un peu, si tu nous permets, nous pourrons maintenant proposer à notre public ta chanson. C'est un enregistrement dans les meilleures traditions des... des traditions d'auteur, mais pas des bardes. Oui, tu vois, si on dit bard en russe, si on dit un bard café, bard, c'est plutôt un prêtre, si vous voulez. Mais non, on peut pas. C'est la même chose. On peut pas l'appeler bard quand même. C'est le prêtre. C'est pareil comme si on l'appelle une discothèque dans un synagogue. C'est pour ça on dit les chansons d'auteur. Oui, mais en fait, on appelle chanson des. Des chansons, si vous voulez, d'Arcan. Ou des chansons de Troyan, on les appelle pour n'importe quelle raison chansons aussi. Il y a une dame qui... c'est François Caldor qui vous laisse... François Caldor, qui vous laisse tout d'abord ses félicitations. Et c'était pendant le moment où vous avez parlé de Victor Afanassiev. Moi, j'ai un très bon mémoire et j'ai beaucoup de souvenirs dans ma tête. François Caldor, c'est une personnalité et une personne avec qui... j'ai beaucoup de choses communes. Est-ce que c'est vrai que tu as eu déjà des rencontres avec, dans d'autres centres culturels et scientifiques russes? Je sais que tu as participé dans une conférence au centre culturel russe au Kazakhstan, c'est ça? Oui, c'est mon ami... Constantin qui dirige le centre culturel, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un de nos collègues qui tu as été accueilli où? Non, Constantin, elle ne m'a pas accueilli, mais j'ai été accueilli par Nazarbayev. Même quand je suis allée à Astana, j'ai malheureusement pas de contact avec mon très bon ami, directeur du centre culturel russe Astana, Constantin. Puis dans une autre ville, Ivan Ivanov, mon ami de moi, qui est directeur du centre culturel russe à Rodjanta. Je crois que c'est un très bon travail pour de vrais enthousiastes, pour des connaisseurs de la culture russe. Mais à part ça, il faut quand même avoir du caractère et les compétences communicationnelles, bien évidemment. Et à l'époque... il a fermé le centre à Kiev, qui n'existe plus. Ben non, tu n'as pas raison. Le centre à Kiev, il existe. C'est le directeur qui continue toujours son travail. Et on a toujours beaucoup de personnes qui aiment
la culture et la langue russe. Oui, c'est vrai, il y avait une petite rupture, mais c'était une rupture tragique. Parce que oui, mon ami, quand même, il a eu l'attaque de la part des personnes dans la rue à Kiev. Et suite à cette attaque, il a perdu un œil. Donc, c'est important quand même que le centre a repris son activité avec l'autre directeur. C'est comme ça. Donc, si tu le connais, tu lui passes un bonjour de ma part. J'ai vu. Et est-ce que la Russie pour toi? Qu'est-ce que Novgorod Ru pour toi? Mais non, c'est pas mon projet. Novgorod Ru, c'est juste un autre, Kirill Prevalov, qui porte le même nom, le même prénom que moi. Mais c'est un très bon journaliste et c'est son projet, c'est pas le mien, Novgorod Ru. Ma patrie est la région de Moscou. Moi, je partiens à l'Union des journalistes russes. Et aussi l'Union des journalistes de la région de Moscou. Parce que moi, je m'associe à la région de Moscou. Donc, des villes de Chorkovo, des villes de Korolov, Istra, Bojarovo. Moi, je me sens bien dedans. Bah, par exemple, le Nouvel An, le Réveillon, j'ai fêté avec mes collègues journalistes dans la ville de Klin. Dans la ville de Klin, oui. Il y a une très bonne chanson de Véronica Dolina sur cette ville. Ma petite patrie est là-bas. L'Arbat, elle a beaucoup changé. Maintenant, on ne le reconnaît plus. On voit des zones pédestres. Oui, il y a quelque chose de nostalgique qui touche toujours. Ou par exemple, l'école française Polenovo dans la ruelle Spasso. Et oui, à l'époque, ce sont mes amis qui ont fait leurs études dans cette école française. Et oui, mais on ne voit pas beaucoup de lieux ou d'endroits qui sont nostalgiques. Vous voyez qui était l'embellissement principal, c'était à l'époque les touristes chinois qui l'ont embelli beaucoup. Maintenant, l'Arbat est tout vide. Oui, pour moi, l'Arbat, c'est le café, la vieille photo de cette époque-là et ces endroits-là. Pour moi, c'est un peu plus avant, lorsque l'Arbat n'est pas devenu la zone pédestre, où je me souviens, on vient des voitures là-dessus. Moi, ma première bière, mes premiers 25 ou 50 étaient là-bas. Un très bon ami de moi, le poète qui vit actuellement à Baden-Baden. Et lui, il a fait ses études à l'école française, 12, Polenovo. Et il est rentré de l'Allemagne, il me dit, c'est Alexei Glukhovski, il me dit, viens, il faut rafraîchir nos souvenirs de jeunesse. On va prendre une petite bière sur Arbat. Mais il faut aimer, tu vois, il faut aimer trop notre jeunesse pour y aller actuellement. Oui, bien évidemment, ce sont plutôt des historismes. C'est perdu. C'est déjà perdu. Une équipe de la première chaîne de télé, ils m'ont demandé d'intervenir pour le 95e ou même 100e anniversaire de
Et je suis Mais moi, je ne voulais pas participer à la session tout seul. Et j'ai demandé à mon ami Vsevolod Bogdanov, qui vraiment parle beaucoup. Et j'ai invité aussi Reznik. Et à trois, nous avons organisé cette soirée consacrée à Domjour. Et pour cette raison, Domjour est aussi le héros de ma chanson. Domjour, c'est quelque chose de français, c'est comme bonjour. Et est-ce que tu pourrais nous dévoiler pour quel mérite tu as toutes ces décorations françaises, ces titres? Mais non, on ne parle pas de décoration, ce n'est pas éthique de mon côté. Oui, mais j'ai fait quand même des choses, parfois des choses dangereuses. Je fais des reportages à la télé. Mais moi, j'ai juste une pitié pour Patrick Gourin, journaliste à la première chaîne, qui a trouvé sa mort les premiers jours de la guerre en Irak. Il était envoyé spécial de TF1 93 et il était blessé. Il était blessé dans la coude du bras droit et son caméraman slovaque et il a également trouvé sa mort là-bas en même temps. C'est notre métier. Si vous voulez, on en parle beaucoup. Mais comment tu as réussi, toi, un journaliste soviétique, même un journaliste international soviétique, tu es devenu dans quelque sorte vedette des émissions françaises? Mais non, moi, je n'étais pas journaliste soviétique. J'étais plutôt déjà un journaliste russe, mais je connaissais quand même pas mal de mes collègues français ou étrangers, par exemple Alex de Grande-Bretagne. Et lui, il faisait des reportages sur la chaîne Euronews. Mais j'ai vu la banlieue de Lyon où le QG de Euronews se trouvait. Tu sais, on nous regarde aussi de Lyon, donc on peut leur dire notre bonjour. Après 8 heures, il n'y a personne dans les rues, vous comprenez? Et moi, j'habite dans le centre de Moscou. Là, c'est bouillonnant. Je peux me tromper, mais je pense que l'Euronews se trouve à côté du musée de Confluence. Oui. À l'époque, ils étaient dans un endroit très paisible, calme, à l'extérieur, en banlieue. Vous savez, je suis quelqu'un de raisonnable, mais j'ai besoin de bouger. J'ai la bougeotte. Et après 20 heures, je ne peux pas aller chercher des restos. Une fois, des amis à moi m'ont invité et ils appartiennent aux Mormons. Et c'est une histoire à part parce que je m'intéresse à cela. Ils sont très inhabituels, très curieux, très croyants. Et ils nous ont invités aux journées, aux portes ouvertes. Au temple Lepovar, c'est en banlieue de Helsinki. On est allé là-bas et le soir, avec toute une équipe de nos amis russes, des avocats, des journalistes, on est allé là-bas et on voulait trouver un restaurant à Helsinki
Et on n'a rien trouvé. On a trouvé avec grand difficulté, avec beaucoup de difficultés, un restaurant de poissons, et à côté d'un temple russe. Et donc, en fait, vous savez, cette absence de mouvement, ça mérite, ça m'agace. Il y a une spectatrice de Lyon qui a réagi, une très belle dame, notre partenaire, par rapport à nos projets éducatifs. Elle a réagi et elle invite. Elle dit, je vais lui montrer le centre de Lyon et ça bouge vraiment. Donc, elle nous invite. Mais on peut y aller tous les deux. Oui, avec toi, je vais où tu veux. Quand les frontières seront ouvertes, on ira et j'aimerais... Te rencontrer, te demander de te poser des questions parce que tu connais la France mieux que tout le monde. Et vous savez, ça fait longtemps que j'ai pas visité la France à cause de tous ces confinements. J'ai des amis partout. François Caldor, j'aimerais bien trouver ses coordonnées. On verra, on regardera son adresse, d'où il a écrit, et on le retrouvera. Je suis content qu'il ait écrit. Un avocat excellent, très connu. François est un avocat très connu, hein. Il était proche des communistes. Son père était professeur. C'est une vieille famille française très sérieuse. C'est une vieille famille, oui, connue. Et parmi les Russes, connais-tu des descendants de l'immigration russe? Est-ce que tu as connu des personnes intéressantes que tu continues à fréquenter? On a fait un cycle d'émissions avec Andrei Dimentiev consacré aux descendants russes, descendants d'émigrés russes en France. Et nous avons visité une maison et peut-être que tu connais cette personne, Kologotsky. On a vu cette maison d'Irina et son mari, Klavdi Markelovich Friou, qui parlait russe mieux que nous. Et il était... En fait, après la mort de Staline, il est devenu premier doctorant russe, français, doctorant français en Russie. Et on a bu de la vodka, on a mangé. Et puis, il me dit, tu sais, viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. Et il m'a montré tout un cagibi qui était rempli de cahiers, de journaux intimes tenus par des membres masculins de la famille à partir de 1789. Et je suis passionnée par l'époque napoléonienne et je lui dis, mais il y a quelque chose qui vient de Russie. Et il dit oui. Et puis il sort un journal. Et c'était des journaux remplis de coupures de presse. Il y avait aussi des lettres qui venaient de différents coins de France, d'Europe, qui arrivaient dans cette maison. Et j'ai vu des lettres d'un officier français qui était à Riga lorsqu'elle était sous occupation napoléonienne. Et il raconte ses souvenirs de voyage, ses impressions de voyage. C'était impressionnant. Et toujours, je disais à mes étudiants, mes amis, tenez vos journaux intimes, écrivez vos impressions, ne vous fiez pas au téléphone, aux iPads, il ne faut pas, il faut noter ces impressions. Seule la main, les doigts, le crayon, le stylo se souviennent de tout, notent tout. Tenez vos journaux, mais au moins ayez des bloc-notes. Écrivez vos impressions. Donc ça m'a marqué. Et cette génération disparaît. Et je suis content de constater que dans cette famille d'Irina, dans cette famille Sadaragorski, dans cette famille, ils conservent cette tradition de la culture russe et ils conservent la culture russe et française. Et ces deux cultures sont imbriquées.
On essaie de communiquer régulièrement avec Irène et Igor. On les a vus lors des journées du livre russe. On a eu des rencontres avec Irène. C'est la seule qui tient ce journal littéraire consacré à la littérature contemporaine russe, qui découvre des noms nouveaux russes. Et elle est formidable. Et je t'envie. Parce que vous savez, le père de Nikita Krivoshin était un grand homme. Je le connaissais à travers mes amis qui avaient vécu, travaillé avec lui, qui avaient été très amis avec lui. Donc, il est enterré à deux pas de Bounine. Et Kier, qui était le ministre des Terres au gouvernement de Wrangel. Donc, c'est une famille intéressante, de grandes connaissances, une attitude sincère par rapport à la Russie. Je voudrais te poser une question pour qu'on n'oublie pas, c'est une question importante. Une de tes cartes de visite, c'est le film Charles de Gaulle, Sa Majesté le Président. Est-ce que tu peux en parler en deux mots? Comment ça s'est apparu? Comment ça a été réalisé? Ce projet, ce n'est pas mon projet. On m'a demandé d'aider. C'est un projet. On revient vers la rue Lauriston. C'est là qu'habite un personnage connu, un réalisateur connu, assez jeune, qui est l'auteur de courts-métrages. Et il s'est produit plusieurs fois dans votre centre. C'est Radik Kodoyarov. C'est son projet. Et moi, vous savez, je n'ai jamais travaillé à la télévision en tant que réalisateur. Je ne peux pas le faire. Ça s'est passé comme ça. Mais mes amis, avec qui on avait créé la chaîne NTV, pendant 5 ans, j'ai dirigé les bureaux de Mediamost à Paris. Et mes amis se sont dispersés, se sont engagés à différentes chaînes. Et le bras droit d'Oleg Dorobeev m'a dit j'ai besoin de ton aide et ils veulent faire un film. Et j'ai parlé beaucoup avec Radik Kodoyarov. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Et heureusement, j'ai connu ces personnes extraordinaires qui, autrefois, avaient été surnommées les barons du général de Gaulle, qui était membre de son gouvernement, qui étaient ses conseillers, ses aides, Claude Miot, Mesmer, Constantin Melnik, et ils m'ont beaucoup aidé et nous avons fait ce film consacré à De Gaulle. Je pense que c'est un film réussi. J'ai été producteur de ce film et ça s'appelle Sa Majesté le Président. La figure de De Gaulle est actuellement perçue d'une autre manière. À Moscou, il y a un livre qui est sorti récemment qui s'appelle « Histoire de France ». C'est un Anglais qui l'a écrit et il y a des choses qui sont dites, qui sont inadmissibles sur De Gaulle, sur la résistance, sur le rôle des communistes, mais en fait, les Français peuvent être fiers de certaines choses et peuvent être gênés par certaines choses. J'ai connu ces gens qui avaient combattu au sein de la Légion française. Donc, j'ai toujours été intéressé par les opinions des deux parties. J'ai connu des gens qui s'appelaient rêveurs casqués. Et vous savez, l'histoire de la guerre, ce n'est pas
tout blanc, tout noir. Ce n'est pas blanc et noir. Il y a des demi-teintes, il y a d'autres couleurs. Il y a beaucoup de choses. Et pour les Russes, c'est sacré parce que toutes les familles ont été touchées. Toutes les familles ont perdu des gens. Ce ne sont pas juste des mots. C'est la même chose pour les purges staliniennes. Presque toutes les familles ont perdu des proches dans ces épreuves. Mais ça ne nous rend ni meilleurs ni pires. On est comme on est. Vous avez touché un sujet important parce que si on ne parle pas des Français en Russie, mais si on parle de nos compatriotes en France, il y a un grand nombre de matériaux qui n'ont pas été étudiés concernant les exploits de ceux qui avaient été emprisonnés, qui s'étaient sauvés. On a parlé de Vika Obalensky et de Maria Skoptsova, et il y a une histoire qui est liée à Vassili Porik, héros de l'Union soviétique. On en a parlé, et je ne parle pas de cette équipe, ce groupe de partisans russes, donc féminins, qui ont combattu en France à la frontière du Luxembourg, et on en apprend de plus en plus, et il y a un monument qui est en cours d'élaboration qui comprendra plusieurs éléments. Il y a un film qui a été tourné, et il y a un film qui a été montré en Belgique, en France. Il y avait 40 femmes russes emprisonnées ici, à Tille, dans un camp. Et elles se sont sauvées et elles ont formé un groupe de partisans féminins, un groupe. Donc, elles devaient travailler dans des mines, c'était des femmes en exil dans un pays étranger, et elles ont formé ce groupe. Donc, c'est au début, le camp était à Hambourg, et puis ça s'est déplacé à Tille, la ville de Tille. Et donc, il y avait 40 femmes soviétiques qui ont péri lors d'un incident dans une mine. Et je parle de ça dans mon livre « Nature qui disparaît ». Et je cite les mots d'un Russe natif d'Estonie qui a été emprisonné à Berlek. Il a été espion. Et je vais te parler d'autre chose. Le monde n'est pas composé de théories, de preuves, mais le monde est composé d'histoires, d'anecdotes, dans le meilleur sens de ce mot. Et je vais te parler d'une histoire. Au début des années 90, dans votre centre, mon père, une personne s'est produite ici, une personne qui a été emprisonnée dans différents camps, à Auschwitz aussi, d'origine russe, Mikhaïl Gardé. Et j'ai organisé sa rencontre avec Yeltsin. Et ensuite, vous savez, quand des Russes se rencontrent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller boire quelque part. Et on est allé vers la place d'Étoile, et il dit: regarde ce bâtiment. Ici se trouvait la Gestapo lors de l'occupation. C'était rue Lauriston. Et je lui ai demandé: est-ce qu'il y avait des Français? Oui, mais il y avait aussi des bandits russes. Il y a eu aussi des Russes. Et après, il y avait un Géorgien, un émigré russe qui était un bandit et qui aussi avait travaillé pour la Gestapo. Et oui, c'est notre histoire aussi. On doit la connaître pour mieux comprendre, mieux percevoir.
Oui, tu as raison. Si tu es d'accord, je voudrais montrer cet enregistrement musical. C'est très intéressant parce que j'ai vu que tu avais étudié à la faculté de journalisme. Moi aussi, j'ai étudié à côté de toi, Institut d'Asie et d'Afrique, et j'allais à la faculté de journalisme. Il y avait un ensemble de guitaristes. C'était un collectif remarquable. Et la faculté de journalisme était pour moi quelque chose de familier. C'était quoi? Il y avait un participant d'Orax et ils ont constitué un groupe. Et de toute façon, pour moi, la guitare, la faculté de journalisme, toi, la chanson, tout ça, ça constituait un tout. Tu sais, je ne joue pas de la guitare. J'aimais Okudjava et j'ai parlé avec lui et je lui ai demandé « Comment est-ce que vous avez commencé à écrire des chansons ?» Et il a dit « Comment vous avez appris ?» À Arbat, dans la cour ? Non. En fait, il m'a dit « Non, non, dans la cour, à l'époque, on ne jouait pas. » C'était ma première femme. Et donc, il y avait mon beau-père qui jouait de la mandoline et il jouait Svetit Mesiats, la lune est claire. Et il m'a inspiré et j'ai appris ses accords. Mais moi, donc, j'ai fait pareil. Et donc, j'ai appris aussi ces 6 accords et c'est vraiment extraordinaire. À mon avis, le gars, il n'avait pas de formation musicale. Je te propose d'écouter cet extrait. Среди любимейших занятий, владевших мною с юных дней, час сумеречный на Арбате, стоять, скучать, мечтать о ней. Арбат плывет, бульваром в паре, дворы пусты в декабре. Веселый гоголь на бульваре и грустный гоголь во дворе. И веселый гоголь на бульваре и грустный гоголь во дворе. Навстречу барышне-старухе дом жур шумит знакомых тьма. А забавники и развалюхи экс-коммунальные дома. Арбат плывет, бульваров в паре, дворы пусты, но в декабре. Веселый гоголь на бульваре и грустный гоголь во дворе. Веселый гоголь на бульваре и грустный гоголь во дворе. В путь уходя, ты помни свято, брат, прежде чем рубить концы. Мы дети вечной Арбата, мы гравурманы птенцы. Арбат плывет, бульваров в паре, дворы пусты в декабре. Веселый гоголь на бульваре и грустный гоголь во дворе. Веселый гоголь на бульваре и грустный гоголь во дворе. Булат чугунный страж арбатства и теплый цвет знакомых лиц. Ты цитадель любви и братства, Арбат столица всех столиц. Арбат плывет с бульвара в паре, дворы пусты в декабре. Веселый гоголь на бульваре и грустный гоголь во дворе. Веселый гоголь на бульваре и грустный гоголь во дворе. Жур, жур меня, дом жур плывет с бульвара в паре, дворы пусты. Не в декабре.
веселый Игорь на бульваре, и грустный Игорь во дворе. Веселый Игорь на бульваре, и грустный Игорь во дворе. Спасибо, друзья. Ну, это очень здорово. Очень здорово. Excellent. Oui, à l'époque, Igor était directeur de notre Dom Jour, c'est-à-dire la maison centrale des journalistes. Et le musicien extraordinaire, auteur et interprète de mes chansons, Yuli Badin. Il est de Syrie et son prénom est traduit comme donné par le Dieu. C'est lui qui m'a accompagné à la guitare lors de cette performance. Et c'est dans le cadre du projet Vnashuga Venzhadil Karabli que les vaisseaux qui sont rentrés dans notre port. C'est une équipe de confiance qui a fait découvrir les chansons d'auteur, les chansons de salon, mais quand même oubliées. Il y avait des interprètes qui ont chanté des chansons, qui ont interprété des chansons des régions du Vatican. Que l'on appelle Vagonne et Pisne, des chansons de voitures d'entrain. Oui, c'est bien dommage que l'on n'a pas pris de la guitare aujourd'hui. Oui, tu es toujours le bienvenu. André Chevelov, c'est notre André de l'UNESCO. Il nous remercie de cette conversation bien intéressante et il se sent bien à l'aise et entre nous. Sylvestre, elle vient d'écrire bravo au guitariste. Je crois aujourd'hui c'était juste une petite préface, si vous voulez, une rencontre, la toute première introduction au cycle. Tu vois, tu peux faire partie de notre cycle à l'encyclopédie musicale qui est consacré aux meilleures personnalités, hommes de culture, des musiciens, des artistes. Et je serais ravie si nous, parmi les premiers, pourrons faire découvrir tes nouvelles œuvres littéraires à notre public. Poison, c'est, si vous voulez, où on peut le trouver partout, dans toutes les librairies. Et est-ce qu'on peut le voir réédité? Non. Notre collègue a posé la question où on peut mettre une plaque commémorative à Edouard Lemonov, peut-être là où il a vécu, pas loin de la Bastille, je crois, là où il a habité avec sa copine Medvedeva. Une chanteuse de salon, une chanteuse de chansons d'argot, Natalia Medvedeva. On peut l'écouter, par exemple, sur YouTube. Notre collègue, c'est le représentant commercial, Mikhail Makarov, qui nous suit dès le début. Et il nous propose trois endroits, par exemple, Rue des Écufs. Oui, il faut quand même se plonger dans l'histoire. Il faut parler quand même avec Madame le maire à ce sujet. Sinon, de toute façon, il faut demander l'autorisation. Oh, bah, heureusement, les plaques commémoratives Bounine a été installée. Et Edouard Lemonov, ou Ed, était un très bon écrivain, mais
un poète encore meilleur. Moi, je n'étais pas son ami, mais quand même, je le connaissais très bien. J'étais en contact permanent. On a aimé prendre un petit verre ensemble. Moi, j'aime bien ça. Et en Albanie, mon conseil, bah, il faut quand même, en Albanie, il faut le faire avec les Azerbaïdjanais. C'était une dame qui a été aimée beaucoup par Bounine, et j'espère dès que les frontières s'ouvrent et tu viens nous voir, nous pourrons avoir beaucoup plus de précisions. Et encore une question, est-ce que, comme toi, tu es connaisseur et amateur de la gastronomie française, est-ce que tu as eu des recherches ou des œuvres littéraires là-dessus? Non, parce que moi, je suis entré en bon ami avec un soi-disant colbassier russe, c'est celui qui, c'est André Kouspitz, qui actuellement, et qui est sur le marché Tcheremushki, maintenant c'est marché, si vous voulez, d'élite, Gargantua. Le projet d'André Kouspitz, c'est le restaurant, ouvrira ses portes à un marché Tcheremushki. De trois côtés, c'est vitré. De l'autre côté, c'est mur. Et colbassier, cela veut dire, entre guillemets, cela veut dire le professionnel des saucisses de saucisson. Et là, sur ce petit café au resto au vitré, grâce aux recettes espagnoles, françaises, russes, elles pourront faire des miracles gastronomiques. Et je pourrais vous parler des heures de cette gastronomie, de saucisson, parce que, oui, comme je vous ai raconté à l'époque, on a fait cette émission à Radio Gourmand. Mais oui, on a fait des émissions à la radio, des enregistrements, je les ai gardés. Je crois que vous pourrez quand même les trouver quelque part ou dans les archives de Radio Rossiya. Mais des livres, non, on n'a pas écrit de livres. Oui. Et Kouspitz, c'est la personne principale qui fait des saucissons. Je vous raconte une anecdote. Comment elles ont décidé de faire un chaperon. Mais comment on pourrait le faire le réveillon? C'est quand même très difficile, le réveillon de Nouvel An. Des caplans, on ne peut pas les mettre à côté d'autres oiseaux. Ils les tuent. Oui, c'est un conflit des genres. Mais comment ils ont commencé à élever ces oiseaux-là, ces coqs, chapons, que l'on appelle des chapons. Après, quand même, ils ont commencé à les garder à part dans une ferme spéciale. Et ces caplans, soit ils ont mangé quelque chose qui n'était pas bon, soit ils faisaient trop froid. Moi, il faisait autant froid que je n'ai pas pu même ouvrir la clôture, la serrure sur la clôture. Et il a refusé ce projet quand même. Il a abandonné le chaperon russe. Ils n'ont pas vu le jour après. Une anecdote très drôle. Il était la première personne quand même qui a emmené en Russie les huîtres, mais pas les huîtres que l'on mange, mais des alevins, si vous voulez, des juvéniles. Et la première fois, je vous raconterai cette histoire-là. Vous pourrez juste deviner cette histoire, si vous voulez, quelque sorte de moine.
сейчас, кстати, вы знаете, Шемаша вышла книга Шемаша, récemment, le livre La cuisine des tsars a vu le jour. Mais chez nous, c'est beaucoup plus simple. Ce sont dans la tradition de Maria Ivanovna. C'est un pseudonyme d'un journaliste bien connu, Anatoly Golovkov, qui a travaillé sur la rubrique culinaire. Et son pseudonyme était Maria Ivanovna. Et personne dans cette revue des femmes, ou plutôt les femmes ont travaillé, n'a reçu autant de lettres de la part des lecteurs que Maria Ivanovna. Jean Tatlin, il a chanté aussi là, à l'époque chez nous récemment. Je connais une personne qui connaît très bien Jean Tatlin, un musicien exceptionnel et extraordinaire. Donc, je n'exclus pas que l'une de nos émissions sera consacrée à Jean Tatlin. Dans ses chansons, j'ai reconnu des notes et des intonations retrouvées après dans les chansons de Magomayev. Interprétation exceptionnelle. Ah oui, bien intéressante. Dans mes émissions, j'ai toujours remarqué que l'interprétation chez Jean Tatlin et Arnaud Babadjanian, Garbarenzo, qu'il écrivait pour Charles Aznavour. Babadjanian, c'est le mari de sœur. Cela veut dire que c'est une personne même plus proche qu'un frère, Bajana. Et il était le mari d'Aïda, sœur de Charles Aznavour. Et toutes les chansons d'Aznavour ont été écrites par Gavrenso. Son père était l'auteur de l'hymne d'Arménie, l'hymne actuel. Qui veut dire que le son... Et cette musique, cette sonorité était très arménienne, peu importe où il habitait. En France, par exemple à Aznavour, Tatlin, Arnaud Babadjanian, à Moscou à l'époque, mais toujours cette sonorité lumineuse, ensoleillée, avec des notes de violon. Je crois que c'est le peuple, c'est l'origine populaire. Moi, je ne m'arrête pas parce que c'est un vrai plaisir de vous écouter. Oui, si vous souhaitez me poser une question, oui, ça fait déjà une heure et demie que nous sommes ensemble. Est-ce que je pourrais vous lire parmi les commentaires? Vous êtes le bienvenu dans la capitale gastronomique. Yves Jamais, chanteur français très connu, c'est une personne qui n'est pas loin de Dijon ou de Besançon, c'est lui. Je l'ai adoré et dans l'une des interviews, il est venu avec la moutarde de Dijon. Oui, oui, ne t'étonne pas, je vais toujours avec la moutarde dans mes poches, t'inquiète pas. Et le sud, ton impression la plus brillante, c'est quoi? Côte d'Azur, oui, Festival de Cannes. La première chose venue dans mon esprit, le tableau de... un artiste russe, Serge Nijinsky, le neveu de Dzerzhinsky, qui a pris le relais de l'autre Dzerzhinsky, qui avait quand même, il a caché le fait qu'il avait des proches à l'étranger. Et lui, en fait, il habitait Saint-Paul-de-Vence.
Elle avait sa maison tout à côté, elle habitait tout à côté. Connaisseur de Russie. Ouais, je me souviens très bien de cet homme. Il a des jumeaux. Il avait donc deux fils jumeaux. Et Igor, il était un comédien. Son petit-fils, son fils cadet, pardon, excusez-moi. Au sud, je connais beaucoup de personnes. Je connais de personnes là-bas. C'est aussi Menton. Et à Menton, c'était une grande communauté russe très puissante. Et mon parrain, il était à la tête de cette communauté. Il avait un petit appartement à Menton, malgré le fait qu'il était originaire de Caen. Mais en tant que colonel de l'armée française à la retraite, lui, il dirigeait, il était le chef de cette association, de cette communauté russe. Merci beaucoup. Le sujet du cinéma, c'est le sujet dont on n'en a pas encore parlé. Et lorsque nous avons préparé une rencontre avec Pierre Sheremetiev, et que lui, il a été tourné dans 6 films français contre Sheremetiev, et nous continuons notre cycle avec 2 conservatoires russes, conservatoire Rachmaninov, conservatoire Scriabine. Oui, la femme, si on parle de Scriabine, la femme d'Edgard était la nièce de Scriabine. On pourrait en parler depuis longtemps. Les Russes, Studio Albatros, ils ont beaucoup contribué. Ils ont contribué énormément au cinéma français. Je connaissais une personne et je crois à qui il faudra quand même aussi installer une plaque commémorative. Et c'est quoi? Ce sont des films muets ou après? C'est lui qui a tourné Fanfan Tulpan avec Christian Gérard. Mouskine. Dont le nom de famille est Mouskine. Tous les films avec Belmondo et Stavisky, le film Cartouche, c'est toujours Mnouchkine. Alexandre Mnouchkine, il est aussi une figure importante dans mes livres. On était de bons amis. Je crois qu'elle habitait pas loin de Kennedy. Pierre Tchernia, Alexandre Tartar, Lev Zetro, Léon Zetron. Ils sont tous russes, ce sont tous des personnes russes. Sans parler, la liste est énorme. Oui, on n'oublie pas bien évidemment Maurice Druon. C'est Kessel, il n'est pas Druon. Druon, c'était le deuxième mari de sa mère et c'est le nom de famille de ce deuxième mari de sa mère. Je fais une interview avec Druon juste avant de revenir à Moscou. Je suis rentrée et j'ai reçu un coup de fil de l'ambassade de France. Mais comment vous avez réussi à faire l'interview avec Druon? Mais comment? Pourquoi? Il vous a accueilli? Mais oui, pourquoi pas? Oui, à l'époque, c'était étonnant. Oui, mais vous voyez, à l'ambassade, à l'époque, on travaillait des employés qui ne maîtrisaient même pas le russe. Oui. Oh, malheureusement, c'était le cas, mais Joseph Kessel, aussi une plaque commémorative, devra trouver sa place à Paris obligatoire, mais oui, mais aussi Jodassin, André Barsac.
Oui. C'est une longue histoire, on peut même en terminer avec Michel Palmaret. Merci beaucoup, chers amis. Si vous avez d'autres questions, je suis prête à vous répondre. Je crois que nous pourrons faire des rencontres thématiques plus précises avec des sujets concrets et nous aurons le plaisir de vous inviter de nouveau. Mais oui, je vous invite à acheter mes livres et comme par exemple toi, tu peux me poser la question où tu pourrais acheter les Confessions des stars. Ben non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus pour rééditer, non. Pour l'instant, je n'ai pas d'énergie de m'en occuper. Donc, c'est pour ça qu'il faut acheter des livres là. Oui, mais on espère quand même avoir de meilleurs temps après la réouverture des frontières. Et en plus, les salons des livres russes seront organisés en format en présentiel. Et ce sujet, pour nous, c'est toujours pertinent. Et on aime bien encore inviter les spécialistes et les écrivains russes. Et on est toujours prête à donner un pulse supplémentaire à ta littérature, bien évidemment. C'est juste le début avec toi. Je te remercie beaucoup pour ton temps, tes anecdotes, des histoires très drôles, ta biographie. Je crois que des choses que tu nous as dévoilées aujourd'hui, on peut trouver nulle part, ni à Wikipédia, pour tes compétences et talents musicaux. Je suis très content, je suis très reconnaissant de cette rencontre. Mes meilleurs voeux et meilleurs souhaits. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.